Bienvenue. Dans cette présentation, nous allons voir comment créer la console de récupération en utilisant le CD d'installation. Souvent, on a besoin de la console de récupération alors qu'on ne l'avait pas déjà créée. Donc, si on avait déjà créé la console de récupération, au lancement du système, le système va afficher la console de récupération. Donc, ce qui fait que maintenant, si on a besoin de ça, on va juste descendre et le prendre. Alors que maintenant, des fois, on a besoin de la console alors que la console n'est pas créée. Donc, dans ce cas, maintenant, il va falloir démarrer à partir du CD et à partir de là-bas, maintenant, créer la console de récupération. Donc, ici, j'ai déjà mis le CD. J'ai déjà mis le CD sur le lecteur. Voilà. Donc, je vais juste redémarrer la machine en démarrant cette fois-ci sur le CD. Donc, je vais redémarrer à partir du CD. Si on me dit appuyer sur une touche, donc je vais appuyer sur une touche. Bienvenue, etc. On me dit appuyer sur entrée pour continuer ou R pour réparer. Donc, je vais appuyer sur R ici. Je vais appuyer sur R. Et on va me lancer maintenant la console de récupération. Voilà. On me dit sur quel exemple je mets 1. Je donne le mot de passe. Et voilà. Donc là, j'ai la console de récupération directement à partir du CD alors que je ne l'avais pas créé. Et à partir de là, maintenant, je peux commencer à exécuter mes commandes.